Le coup d'envoi est donné. Nous espérons tous voir une belle rencontre. Alors évidemment, comme toujours, on attend du spectacle, des envolées, des duels, des buts. Mais l'important... C'est une faute, coup franc accordé. Ça ne va pas être facile d'ici. Nouvelle occasion de centrer. Moloch. C'est pas si mal, mais ça passe à côté. Voilà, maintenant on peut dire que le match est lancé. Quand tu es en route d'observation dure 2 secondes et que tu fais monter la mayonnaise d'entrée, on a tout de suite compris. C'est une très jolie passe. Du pied, dégagement sûr. Tête magnifique. Oh là là, c'est au fond du filet. Quel début de match catastrophique. J'en connais un au bord de la touche qui doit être vert. Il a fait l'appel parfait au bon moment sur cette passe en profondeur qui lui a permis de marquer ce but. Mais c'est vrai que la défense avait accroché la charrette. Hein. Ils ont ouvert la marque, 1-0. C'est pas le moment de perdre les pédales quand même, mais il y a encore du temps pour revenir dans le match. La seule chose qu'il ne faut pas faire pourtant, ça serait d'en encaisser un autre. Alors il va falloir quand même un petit peu resserrer le jeu. Encore une belle occasion. Oh, il bénéficie d'un bon coup franc, que vont-ils faire? Est-ce qu'il va tenter sa chance? Nouvelle occasion de centrer. Ils se défendent bien. Encore une belle occasion. Est-ce qu'il peut frapper? Il fallait la boxer celle-là. Oh non! Le deuxième encaissé! Le deuxième encaissé en l'espace de quelques minutes! Il faut rester concentré! Là, le gardien est passé complètement à travers. C'est vraiment un manque de concentration. On se demande s'il ne veut pas finir meilleur passeur de la journée. Une avance de 2 buts maintenant. Ça va être difficile maintenant. Les carottes sont presque cuites. Ils savent que ça va être difficile de remonter cet handicap. Mais on ne sait jamais, avec un moindre but, on sait...
une occasion de centrer. Bien défendu. Bonne réaction de la défense. Sûrement cette fois-ci. Il faut mieux jouer que ça pour tromper la défense. Directement dans les gants du portier. Le danger est écarté grâce au défenseur, ce sera un corner. C'est un ballon fouetté vers le but. Corner directement dans les bras du gardien. Nouvelle occasion de centrer. Il est dégagé. Non, le ballon a été intercepté. La passe a été interceptée. Superbe défense ici. Ils ont passé les lignes arrières. Bonne réaction de la défense. La balle n'est pas passée. C'est bien de jouer sur les côtés pour centrer. Dégagement. La défense devra faire attention sur cette touche. Encore une belle occasion. Le déclic, ce serait un but, mais ça ne vient pas. Il faut vraiment du mordant chez les attaquants. Le gardien est en danger. Il l'a touché des points, mais ne l'a pas capté vraiment. Corner. La balle s'approche du but. Il n'a pas pu saisir complètement le ballon, mais heureusement, le défenseur était là.
Nouvelle occasion de centrer. Ah, quel dommage, l'arbitre a levé son drapeau. C'est trop chaud pour le gardien. Attention, il frappe. Une belle frappe, c'est avant tout une frappe cadrée. À mon avis, il a senti un défenseur venir derrière lui, c'est pour ça qu'il s'est précipité sur le tir. Et non, il faut jouer le ballon en coup franc. C'est un peu loin pour tenter un tir au but. C'est bien tiré. C'est bien appuyé, mais pas assez cadré. Oui, ce serait pas un petit peu enflammé sur ce coup franc, hein. La passe a été interceptée. Dégagée par le défenseur. Encore une belle occasion. C'est pas si mal joué, mais il faut être plus précis. Et dans ce genre de centre, fort devant le but comme ça, il manque toujours en rien pour le mettre au fond. Il aurait fallu qu'il chausse d'une pointure de plus et c'était bon. Nouvelle occasion de centrer. Pas moyen de passer cette fois. Ils peuvent construire quelque chose. Nous sommes dans le temps additionnel. L'arbitre regarde son chrono. Il reste une poignée de secondes. Tiens, c'est l'heure de la mi-temps. On se retrouve dans quelques secondes. Vu le score et leur première mi-temps, la pause arrive plutôt bien. La deuxième période débute alors que, bien sûr, les joueurs ont changé de côté. C'est vraiment trop limite, coup franc. Il y a plusieurs possibilités. Quelles sont les options? Oh, c'est bien travaillé. Il a dû manquer de concentration, c'est hors du cadre. Même pas arrivé à cadrer de là, pourtant le coup franc était frais. Dommage qu'il vous ait mis un tir de mouche. Nouvelle occasion de centrer. Hors jeu, aucun doute là-dessus. Superbe ballon. Quel coup de casque. Le goal la bloque. C'est une bonne touche, mais il faut s'appliquer. Ils peuvent construire quelque chose. La défense est malmenée sur le côté. Bien. Pas de souci pour le gardien sur cette action. Et vous avez vu ça, c'est l'action d'école. Le centre parfait, la volée derrière, le corps bien couché. Ah, ça aurait pu être un but fantastique. Il prend sa chance. Le gardien l'a détourné en corner. Ce ballon est bien haut. Tentative de la tête. Oh ce but, il est important. Vous allez voir la fin de rencontre. Christian, c'est une belle rencontre à laquelle nous assistons. Ah, le but de la tête nous a montré quand même que le foot, ça ne se jouait pas qu'avec les pieds. Et qu'avoir la grosse tête, ça pouvait toujours servir. Seulement un but sépare les deux équipes.
Ça arrive souvent, et quand on a une avance de 2 buts, en général, il y a un excès de confiance qui se fait. Mais là, ils sont revenus de le match en marquant celui-là. Sur le plan tactique, le ballon circule bien. Vont-ils déclencher une attaque? On va le savoir dans quelques secondes. Gros tacle, mais pas de coup de sifflet. Ballon intercepté et récupéré par l'adversaire. Encore une belle occasion. Vous obtenez une touche dans le camp opposé. Encore une occasion de centrer. C'est une frappe. Bel arrêt du gardien sur ce tir à ras de terre. Ils peuvent construire quelque chose. Oh, qu'il peut être intéressant ce coup franc. Si près du but, il pourrait essayer de marquer. Action dangereuse, il peut marquer. La frappe est décochée. Oui, bien sûr, bien joué, ce but est important. L'égalisation donc, on va avoir une fin de match complètement folle. Il a eu raison de mettre le pied droit dans la finition, c'est le geste parfait, c'est ce qu'il va aller faire. Il a eu raison de ne pas hésiter. Le match est totalement relancé, impossible de savoir qui va gagner. Voilà, là on sent vraiment ce que voulait l'entraîneur. Il vient d'égaliser, mais il en demande encore plus. On s'en rend compte, il est pratiquement rentré sur le terrain, il joue presque à 12 en ce moment. Va-t-il marquer? C'est repoussé, hors du jeu. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Non loin du premier poteau. Le gardien relâche le ballon. Il doit trouver une solution. C'est au fond. Quel dommage. Ils étaient revenus au score, mais une nouvelle fois, ils sont menés. Ils étaient tellement contents d'avoir égalisé, ils en ont oublié que le match n'était pas fini et qu'ils se sont fait surprendre. La prochaine fois, ils s'embrasseront après la rencontre. Le score est de 3-2, un but d'écart, c'est pas beaucoup. Pourtant, il s'était préparé à ce genre d'action, et je l'ai vu hier à l'entraînement. Et cette percée a quand même fait la différence. Sortie du gardien qui s'empare du ballon. La défense a récupéré le ballon. Nouvelle occasion de centrer. Très belle intervention. Interception de la défense. Encore une belle occasion. C'est une bonne touche, mais il faut s'appliquer. Encore une occasion de centrer. Le ballon passe au-dessus, c'est bien trop. C'est dommage parce que là, la finition n'est pas à la hauteur de la préparation.
Peuvent construire quelque chose. Un bon ballon qui leur permettrait de prendre de large. Quelle frappe! Qu'arrivera-t-il? Il a fait le geste qu'il fallait et le gardien était battu, mais pas le poteau. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. C'est pas réglementaire, coup franc bien sûr. Voici une belle occasion de tirer au but. Tranquille pour le gardien. Ouverture aérienne. Encore une occasion de centrer. Et ils obtiennent une touche dans le camp adverse. L'entraîneur cherche à remanier l'équipe. Nouvelle occasion de centrer. On vient de me donner une information importante, des joueurs s'échauffent sur la ligne de touche. Ils peuvent construire quelque chose. Et une nouvelle fois, frappe puissante mais sans précision. L'entraîneur apporte quelques améliorations. C'est dommage qu'il n'ait pas le bon geste dans la finition, c'est encore une occasion de gâcher. Encore une occasion de centrer. C'est dégagé. Il a dégagé. Ils peuvent construire quelque chose. C'est dégagé. Action extrêmement importante car ils peuvent égaliser. Ils conservent la possession du ballon. Bon ballon. C'est peut-être leur dernière action. Une minute de temps additionnel. C'est terminé. Monsieur l'arbitre siffle. Il faut rentrer au vestiaire sur ce score-là. Dommage, il perd.